Allez, allez. On lâche son portable, on arrête le yo-yo et on s'assoit correctement. Mamie, remets ton sonotone. Mamie, remets ce foutu sonotone. Je vous ai préparé des cailles farcies aux champignons avec des patates sautées. Vous m'en direz des nouvelles. Je te parle d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître. La 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 la. Mamie. Ah, mamie, viens t'asseoir, mamie. À l'époque, j'étais détective privé. N'importe quoi, mamie. On le sait que t'étais fleuriste. Ah là là, t'es pas drôle. Hein. Bien sûr que t'es fleuriste. Mais si je te raconte mes aventures de fleuriste, tu vas t'endormir avant le dessert. J'explique l'option audiovisuelle. Les élèves de seconde, de première et terminale travaillent ensemble et on essaie autant que possible d'intéresser l'ensemble des élèves au projet des terminales qui doivent présenter une réalisation, un film au baccalauréat. On ne veut pas faire travailler uniquement les terminales sur le projet, on arrive à intégrer les élèves de seconde et de première dans le projet. Donc une fois que le scénario est écrit, on travaille sur les dialogues, on essaie... De se mettre le texte en bouche, c'est-à-dire de se le dire pour voir ce qui doit être changé. Évidemment, ce sont les élèves de terminale qui sont prioritaires pour tourner, tenir la caméra, faire le montage, prendre le son, mais jouer aussi. Mais si, c'est quelque chose qui se fait de façon très démocratique, hein, c'est-à-dire que s'il y a des élèves qui ont envie de participer au tournage, comme ça se passe cette année, il y a une élève de première qui ne présente pas le film et qui est actrice, la réalisatrice, c'est une élève de terminale, au son, c'est un élève de seconde. Ça peut tourner pour le montage, on va essayer que l'ensemble des élèves participent au montage, qui se fait à la fois chez notre partenaire, donc Stéphane Kowalczyk, et au lycée, puisqu'on a aussi un petit band de montage qui permet de faire ce travail. On essaie de faire travailler tout le monde, voilà. Cette année, la réalisatrice, c'est elle qui a donné l'idée principale du scénario. Donc, on lui a posé la question, est-ce qu'elle avait envie, puisque c'était elle qui était à l'origine de ce projet, décidée et acceptée par l'ensemble de la classe, on lui a demandé si elle voulait le réaliser. Et elle l'a souhaité, donc on lui a donné le poste le plus important. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que tous les postes sont importants. Certes, le réalisateur, c'est celui qui donne la couleur au film. Mais on ne peut pas se passer d'accessoiriste, on ne peut pas se passer donc, de régisseur, ce qui est la même chose. On ne peut pas se passer de script, on ne peut pas se passer d'acteur, on ne peut pas se passer de preneur de son, preneur de lumière. Donc finalement, c'est un travail d'équipe et c'est l'intérêt de cette option de fédérer finalement des savoirs et des compétences diverses. Ce sur quoi on insiste, c'est la capacité de l'élève à justifier les choix qui ont été faits, les choix de montage, les choix d'acteurs, et de répondre aux critiques éventuelles et éventuellement négatives du jury pour justifier justement ces choix. Donc il faut le voir davantage comme un atelier de cinéma que comme un produit fini. Hein, mais bon, je pense que c'est très formateur parce que ça oblige les élèves à mettre en place des compétences qui leur servent par ailleurs dans leur vie tout court. Hein. Papa, tu vas l'occuper encore pendant longtemps, le garage, avec tes criquets? Parce que j'aimerais bien faire une fête. Déjà, c'est pas des criquets, c'est des grillons, ok? And you, do you understand the word grillon? Crickets? C'est pas possible, grillon, quoi. Grillon, le bonheur dans la maison. C'est pas possible, il est reparti avec ses grillons. D'abord, ce sont pas mes grillons, ce sont nos grillons. Ok? Vous devriez tous être concernés par cette espèce.
en voie de disparition dans le Cluxanais. Nous nous devons de leur offrir une terre d'accueil. Et à plusieurs, nous pouvons rendre ce rêve possible. Oh. I have a dream.